This is a Chucky Beat production. Ensuite, nous irons avec le semoir semer une petite parcelle qui me reste à semer avec le Fiat. Voilà, donc un petit semoir, voilà, il y a le semoir à l'air bâtir. Par contre, je mettrai le lien si je le retrouve, parce que je peux le trouver. Voilà, sinon vous tapez map Weka et vous le trouverez. En fait, c'est un semoir, vous avez le semoir à l'air rotative attelé. Alors, du coup, moi j'ai mis cette version rotative parce que, en fait, ben, je sais pas si ça s'accroche pas, donc du coup, là ça marche super bien. Voilà, il est nickel, il est bien bien réglé. Alors, par rapport au semoir que j'avais, le semoir nodé, en fait, il est beaucoup plus gros. Voilà, et donc, bon, vous avez là, le capot qui s'ouvre, hein, tout simplement. Voilà, donc la version rotative, c'est la Lincoln avec le pack Lincoln. Voilà, ensuite, je voudrais juste voilà, prendre un petit peu de hauteur et je voudrais tout simplement. Dire un grand merci à toi, le simulateur d'élection. Voilà, tu as fait une superbe petite marque, voilà, qui est vraiment agréable. Voilà, moi j'ai juste rajouté quelques barrières, voilà, par-ci par-là, mais avant de continuer, je voudrais avoir ton avis, voilà, savoir si c'est bon, si ça passe, si ça te plaît déjà. Voilà, j'ai pas envie de dénaturer ce que tu as fait, ton travail et tout. Donc voilà, donc je me suis permis de faire ça. Maintenant, si jamais ça ne te plaît pas et tu m'envoies un message en disant enlève-le, ça ne me plaît pas, je le ferai. Sache que je le ferai. Voilà. Superbe petite map. Voilà, il y a les vaches, apparemment il y a tous les animaux, mais pour l'instant, voilà, il y a les vaches. La statue est curable. Voilà, j'espère que il y aura une V2. Normalement, c'est prévu. Voilà. Le seul petit bémol, c'est qu'il manque de bâtiments pour ranger. À la rigueur, je verrai, peut-être que j'en mettrai un par la suite, enfin je verrai. Voilà. Donc, carrière en difficulté difficile. Voilà, no cheat. Donc, j'ai acheté pas mal de matos, mais en fait, j'ai fait le crédit donc, à fond. Et avec tout ce que j'ai pu revendre, en fait, voilà, j'ai racheté le matériel que j'avais envie, en fait, voilà, tout simplement. Je pense que on va avoir un souci à un moment donné, parce que donc, du coup, j'ai semé du blé, de l'orge, du colza, qu'est-ce que j'ai semé d'autre, hein, c'est tout pour le moment. Mais j'ai pas de moissonneuse, donc je pense qu'on va revendre le bol mélangeur, et on louera, en fait, la moissonneuse, on verra ce qu'on va louer. Mais voilà, j'ai commencé à faire du foin, voilà, je voulais vous montrer en vidéo, mais c'est hyper galère en fait à poser sur les palettes, donc du coup, je vais faire en off, voilà, on continuera, on mettra d'autres palettes, donc pourquoi les palettes, vous me direz, ben parce que je trouve ça, voilà, en fait, c'est plus réaliste, chez moi, en fait, tout ce qui est sur terre battue, on met les palettes sous les bottes pour pas qu'elles moisissent, tout simplement, voilà. Et bien écoutez les amis, sans plus attendre, je vous présente un petit peu le matériel, bon, la benne maître, l'épandeur d'angle vide, le tonneau à vivier qui était là, qui n'y est plus, parce que je l'ai viré de mes modes, mais je le remettrai, c'est le Josquin, voilà, le module de Josquin, voilà, bon bref, avec les grosses roues, vous avez pu le voir dernièrement, je le remettrai. Ensuite, benne maître, donc là, elle est en configuration en silage, sachez que ce sera la benne à tout faire, hein, donc voilà. J'ai mis un karcher exprès pour la laver, voilà, pour laver le matériel, donc voilà. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas pu le mettre contre le mur, voilà, donc, pardon, là, c'est vraiment impossible, donc, c'est dommage. Voilà, la pailleuse, j'ai pris quoi? J'ai pris celle-là, l'air du bord, voilà, j'ai jamais testé, donc du coup, on verra. À tester, voilà, voilà. Bon, ensuite, c'est traditionnel, j'ai pris la dessineuse du jeu, j'ai pris
plus pirouette et handainer qu'une. La pirouette, c'est celle du pack qu'une. L'autre, c'est celle du jeu traditionnel. La presse, j'ai repris ma limite. Voilà. Ensuite, au niveau des tracteurs, j'ai pris le Massé, le 698, avec la fourche faucheux et tout ce qui va avec devant. Le Fiat, 140 chevaux, c'est le plus gros de la ferme. Et il ne me quitte plus. Oui, 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 les amis, il ne me quitte plus. J'ai pris le T5 avec 120 chevaux, je crois. Oui, 120 chevaux. Voilà. Comme ça, ça fait à peu près. En fait, ça fait du 90 chevaux, 120 chevaux et 140 chevaux. En gros, si vous voulez, ça correspond la map et le matériel est vraiment en adéquation avec, avec un peu ce qui se fait chez moi dans l'Aveyron. Tout simplement, voilà, c'est pas du gros matos, même si on a bien sûr des agriculteurs qui sont vraiment bien équipés et qui ont beaucoup d'hectares. D'autres n'en ont pas beaucoup non plus, puisque ça équivaut entre 60 et 70 hectares maxi. Donc, c'est des petites fermes, mais voilà, il en faut des petits, il faut des petits, il faut des gros, tout simplement. Voilà, donc j'ai pris les panneaux en gris Amazon, le plus petit, le 1000 litres, bon, le plateau Josquin, et la conditionneuse, parce que ici, pareil chez moi, en fait, il y a beaucoup moins de faucheuses, beaucoup de faucheuses conditionneuses, mais beaucoup moins de faucheuses, il y a plus de conditionneuses. Voilà, tout simplement. Et bien écoutez, sans plus attendre les amis, on va bosser un petit peu. Ah oui, je ne vous ai pas montré, bon, j'ai pris la charrue 400, c'est traditionnel chez moi aussi, hein, c'est ce qui se fait le plus. Il n'y en a pas beaucoup qui ont des 5 et des 6, donc voilà, c'est beaucoup de 4, beaucoup de 3 aussi. Voilà, et la cuve du jeu, voilà, tout simplement les amis. La stable du jeu, je dis, je crois, mais elle est curable, donc voilà. Donc sans plus attendre les amis, on va aller semer la dernière parcelle qu'il me reste. Si je suis hop, voilà, ici, hop, on lève tout ça. Alors, et on est parti. Donc j'ai labouré tranquillement, voilà, les parcelles. Vous voyez, j'ai mis des barrières un peu partout. Moi, je trouve que ça fait plus fermé, ça fait plus fini. Voilà. Mais c'est mon avis personnel, hein, les amis. La map est parfaite comme elle est. Elle tourne à 60 fps. Hein, donc, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. C'est juste que moi, je préférais que ça soit comme ça. Mais après, voilà. J'allais dire, c'est une option, quoi. Vous n'avez pas besoin de le faire. Il n'y a pas de. Non, bon, on va commencer par là, tiens. Donc les champs, hein, bien sûr, sont pas carrés, ça c'est génial, voilà, on fait beaucoup d'avance-recul aussi, parce que, ben voilà, hein, il faut, hein. Donc, vous allez voir que 140 chevaux, c'est très bien, hein, pour le tirer, il n'y a pas de, souci, hein. ça fonctionne très très bien. Alors là, on va allumer tout ça, voilà, on va rester sur le, hop, on va avancer un point, on se touche là, et c'est parti. Voilà les amis, on va... Petite vidéo sympathique, hein. Donc vraiment merci à toi, le simulateur Berrichon, parce que franchement, t'as fait du très très bon boulot. Si en plus tu nous fais une V2 avec un petit agrandissement de la map, avec un petit peu plus de... Comment dirais-je, d'endroits de stockage, hein, franchement, ça sera génial, quoi. Franchement, vraiment, vraiment génial. Voilà. Alors normalement... J'ai acheté le... Donc je me suis offert le tracking, les gars. Alors par contre, je sais... J'arrive pas, en fait, à... Quand je mets Fraps et que je mets... que j'appuie sur F9 pour filmer, en fait, ça filme avec. Et du coup, j'arrive pas à bouger, j'arrive pas à... Voilà. J'ai du mal à le paramétrer. Donc ça, c'est pareil. Je te remercie, le simulateur Berrichon, de m'avoir répondu. Voilà, parce que... Bon, déjà, t'étais pas bougé. Et puis voilà. Après, sache que j'adore ce que tu fais et franchement, voilà, nous avons ouvert une map, ouais, c'est vraiment génial. Bienvenue aussi, je le dis et je le redis chaque fois, mais bienvenue à vous les nouveaux abonnés. Voilà, merci de me suivre, c'est vraiment plaisant. Voilà, alors je fais des vidéos parce que j'adore ça, voilà, j'aime bien vous montrer ce que je fais, voilà. Comme je suis issu du milieu agricole, j'adore ce milieu-là, même si j'y travaille pas dedans, mais j'y travaillais quand j'étais petit. Voilà,
J'ai plein de choses à découvrir encore, bien sûr, hein, comme dans tout métier, mais vraiment le milieu agricole, c'est vraiment un monde à part, quoi. C'est vraiment, voilà, il ne faut pas oublier que ben, c'est grâce à l'agriculture qu'à l'heure actuelle, on mange. Tout simplement, on mange. Voilà. Vous voyez, ça fonctionne très très bien. Hein, donc, alors, on appelle ça la herse rotative et le semoir derrière, nous, chez nous. On appelle ça un semi-direct. Donc normalement, je n'ai pas besoin de labourer pour pouvoir semer un semi-direct. Mais comme ce n'était pas labouré, en fait, et que dans le jeu, il faut labourer les premiers passages, en fait, voilà, pour avoir une bonne récolte, je ne suis pas sûr que la herse rotative fasse le travail de la charrue, en fait, dans le jeu. Dans la vraie vie, les amis, normalement. Ça fait le taf, la herse rotative. Hein. Vous voyez, ça se fait super bien. Ça va relativement vite. Hein. Fiat du mode qu'on teste, les amis. Vous pouvez le télécharger d'ailleurs hein, sur le site officiel de farming, il n'y a pas de problème. Tu as assez loin, là? Ouais, c'est bon. Semoir en 4 mètres, herse rotative en 4 mètres. 140 euros devant. Ça suffit amplement. J'espère que vous allez bien. Voilà. Moi, je suis un peu malade, d'ailleurs, ça doit s'entendre. Donc, je pense vous faire une série solo sur cette map. À voir avec Petit Flo si, quand tu l'avais de ma sortie, en fait, si elle est vraiment plus grande ou pas, si on peut y jouer à deux, parce qu'elle est parfaite, cette map, hein, pour du solo, les amis. Petit moment aussi que, qu'en fait, j'attendais une map qui me plaise vraiment pour refaire du solo dessus. Parce que les autres, voilà, on a un petit peu fait le tour, quoi. Donc voilà. Donc il n'y a pas de traceur hein, sur ce semoir. Voilà. Bon, c'est pas bien grave, hein, on reste avec la roue droite à fleurs hein, à peu près. Et ça fonctionne très très bien. Tant que j'y pense, je voudrais juste faire une petite dédicace à Benji, le simulateur aveyronnais. Salut à toi mon ami. Il va falloir qu'on se contacte tous les deux. Si tu écoutes ma vidéo, si tu as envie de participer, pourquoi pas, un épisode ou deux sur la ferme limousine, c'est avec plaisir mon ami parce que tu me suis depuis le début. Et voilà, et pourquoi pas jouer aussi avec toi, je crois qu'on en avait déjà parlé un petit peu, et ça me ferait plaisir d'avoir un Aveyronnais supplémentaire sur la carrière. Voilà. Et c'est vraiment génial, ça, en fait, à tous les mappeurs, ce serait vraiment génial que vous nous sortiez des maps aveyronnaises. Franchement les amis. On a des paysages, mais de fou chez nous. Dans le monde agricole, on a des paysages magnifiques. Ça ressemble un petit peu au Berry, quoi. Je suis même escompté de ça, justement, quoi. Surpris, quoi. Parce que on a vraiment des petits champs. Voilà, c'est vachement vallonné. Il y a beaucoup de forêts aussi, d'arbres autour. Donc, ouais, pourquoi pas, quoi. Ouais, je sais pas si y a un mappeur qui m'écoute, hein. Je lui enverrai des photos, même s'il faut. Il n'y a pas de souci. Et on a de superbes fermes agricoles du côté de chez moi, dans l'Aveyron, en Rodez. Allez, on part, on se recule. Alors on évite de tourner hein, avec un semoir, on va le plus droit possible. Hein. Quitte à se reprendre, mais on évite de tourner, de semer. On ne tourne pas, on sème pas en tournant, quoi, je veux dire. D'ailleurs, avec la herse rotative, je peux vous dire qu'il n'apprécie pas. Hein. Je me mets droit. Dans l'angle, forcément avec l'arbre on ne voit pas trop, mais ouais, je suis droit à l'angle en fait, vous voyez. Voilà. Et même s'il en reste un petit bout, alors là, bien sûr, comme l'herse rotative est activée, eh bien, ça ne va pas être semé, donc je me remets droit. Le petit virage, mais vous voyez, il tire pas droit, hein, vous voyez, il patine, hop, de suite il patine, vous voyez, vous avez vu, hein, hop, il est désaxé, de suite il patine, quoi, et là, sachant que j'ai les quatre roues motrices activées là, vous voyez, alors là, vous voyez, je vais mettre en diagonale pour aller directement face à l'arbre. Et là, je vais me reprendre en fait.
pareil, je vais rester, vous voyez, je vais rester, hop. Et aller le plus loin possible, voilà. Et là, j'ai vu qu'il y avait un petit bout qui n'était pas semé. Regardez, je recule là. Ah, c'est là. En fait, c'est parce que j'ai vachement reculé là-bas, normalement. Voilà, vous voyez. Et là, je vais rester tout droit. Je vais aller jusqu'à la ligne là-bas. Je ne vais pas m'arrêter. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous pensez que l'axe rotatif, elle... elle le rend là parce que vous allez semer. Hein. Vous voyez, on va avoir un trou là-bas. Et on va le semer. Voilà. Et pareil, voilà. J'évite de tourner trop. J'essaie de rester le plus droit possible. Et pareil, je vais m'arrêter au même endroit. Et là, pareil, hein, les amis. Hop. Pas la peine de faire 50 000 trous. Hein. Et là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais repartir ici. Je vais remonter tout droit. Vous voyez, face à la clé. Là. Hop, ici, je préfère que la... Alors là, vous voyez, si je fais comme ça, en fait, je vais arriver là-bas et je vais pas, ça va pas être bon. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici, simplement, en évitant de, voilà, de trop marcher sur les céréales, même si, bon, sur les graines. Même si, des fois, on y est obligé, hein, de toute façon. Voilà, hop. Et là, je me relaxe. Et je reste ici. Et là, je regarde que je puisse le prendre en fait en une fois. Je vais redescendre ouvrir le portail. Ouais, moi, nous, chez nous, on appelle ça une plaine. Vous voyez? Nickel. Ici, je pose et je m'en vais. Ça, on étale ce mois et on se remet dessus. Là, je peux reculer juste histoire de. Et vous voyez, les amis, c'est hyper rapide à semer. Vous voyez, les routes sont petites, hein, donc c'est pas la peine d'avoir du matos. Extra light, extra large, quoi. Donc j'ai minimisé la place, hein. Et parce que sinon, hop, ici on va venir ici, on va le ranger. Hop, voyez. On peut pas le charger maintenant, mais le capot s'ouvre. Refermer, ça sert à rien. Allez, on va prendre le massé. S'il y a un petit bout de nœud de lampe. Voilà, on va aller prendre un petit peu d'engrais. Ah, je ne sais pas si je vous l'avais dit, les amis. Mais, alors, la particularité de ce tracteur. Déjà, il a lissé et c'est vraiment génial. Voilà. Je fais n'importe quoi, moi. Voilà. Voilà, on va laisser aimer. Mais vous pouvez enlever les garde-boue devant. Alors, je ne sais pas si je l'avais dit déjà, mais voilà, moi, je trouve ça génial, quoi. Je trouve qu'un tracteur n'a pas besoin de garde-boue, quoi. Ça va aller. Allez, on monte dans le petit massé. Petit massé de Black Sheep Motim, je crois, qui était dans le mode contest, les amis. C'était parti du mode contest, voilà.
Moi, je trouve que, vous me direz dans les commentaires, les amis, mais je trouve que voilà, le choix du matériel, en fait, que j'ai pris, ok, on s'en va un peu, je trouve que ça va bien avec la map, en fait. Hop, c'est bon. Voilà, je trouve que ça va super bien avec la map, avec l'environnement. J'ai pas pris du gros matos. Voilà, j'essaie de prendre du matériel que vous voyez pas souvent à part le New York, mais bon, à part le New York, mais sinon, voilà. Oh, parfait. Hop, on va répondre le petit massé qui est vraiment agréable à conduire. Je l'avais jamais trop utilisé en fait. Les portes, vous les ouvrez, vous les fermez. Ah oui, pardon. Voilà. Le hayon derrière, hein, pareil, hein, il s'ouvre et il se ferme. Vous voyez. Donc voilà. Donc, j'ai mis le contre-clé, les amis, oui, effectivement. J'ai pas trop regardé encore hein, comment l'utiliser. Donc voilà. Et on va le mettre là. Et j'ai pas acheté le racleur encore. Mais bon, on rappellera je pense avec le massé, tout simplement. Tac. Donc, je crois que gauche ça m'ouvre le contre-pied. Je crois que je le modifie, je sais pas si je peux le modifier. Allez, on va aller étendre un peu d'engrais. Allez, on va aller dans celui-là directement. Il a commencé à lever. Alors j'ai mis les. Du coup, j'ai pas mis le mode saison. Donc du coup, je me suis permis en fait de mettre le. Ah bien. Je suis arrêté, mais en fait, il y a une barrière. Tu vois. J'ai pas mis le. Le mode saison, je disais, donc oui. Je ne sais pas si la map le supporte déjà, et d'une. Et de deux. Je me suis dit qu'avec le mode saison, voilà, j'y jouais souvent avec. Donc voilà, ça pouvait changer. Je préfère faire une carrière no cheat, vous voyez. Et sans le mode saison que voilà, une carrière avec le mode saison, tout simplement. Allez, on va aller mettre le reste d'engrais. Vous voyez, ça va vite en plus. Donc, j'ai mis trois stades d'engrais. Hein. Allez, on fait le dernier ensemble et après on se laissera là. Cette petite vidéo. Donc, normalement, sachez que les céréales, on les roule. Voilà. Là, bon, on les roule pas, mais normalement, on doit les rouler. Vous voyez, pour faire ça, j'aurais même pu faire avec le petit massé. Peut-être que la prochaine fois on fera avec le petit massé, on verra. Hop. Allez. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo présentation de ma quelques petites activités voilà, semi et pendage d'agré, c'est vrai qu'on l'a rarement fait avec vous, tout simplement. J'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, tout simplement. N'oublie pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je voulais dire, l'épisode va sortir normalement dans la foulée. Voilà, on prend un petit peu de hauteur. Vous voyez, la map est super bien finie. Vous voyez, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de lag. Donc, vraiment, merci à toi, le simulateur Berrichon. Voilà, parce qu'en plus, j'adore ta chaîne. Donc, n'oubliez pas, je mettrai sa chaîne en description, dans la description. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Les likes, les partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Surtout, voilà, je le redis et je le dis, merci à vous, mes abonnés, de me suivre. Bonjour à Petit Clos, n'hésitez pas aussi à vous abonner à sa chaîne, à la campagne des faveurs YouTube. Et bien les amis, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de semaine, un très bon week-end. La chaîne CD-ROM, le Game du Soleil, vous dit à très vite pour de prochaines aventures.